Je t'assure, tu devrais vraiment essayer le vernis. Ça aide à réfléchir. Je t'assure, c'est vraiment pas mon truc. Comme tu veux. Dis-moi, t'as pas peur qu'on ait des ennuis? Des ennuis, pourquoi? Bah, je pensais à Bruno Vallès. Ouais. C'est quand même lui qui nous a dit que c'était Nicolas qui avait rendez-vous avec Ingrid dans cette chambre d'hôtel. Mmh. Et nous, on n'a rien fait. À qui tu veux qu'il parle? Je sais pas. À son avocat, par exemple. Qui, lui, pourra parler au juge, et le juge venir nous demander pourquoi c'est pas dans ton rapport et pourquoi t'as pas interrogé Nicolas. C'est vrai que c'est un risque. Ah, tu vois, tu devrais essayer le vernis. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup, là? Parce que maintenant, tu peux plus vraiment reculer. Zoé n'est plus prise en otage et Watson n'a plus disparu. Tout va bien en ce moment et tu voudrais que je gâche tout ça? Mais moi, je veux rien du tout. Je te dis juste que si on fait rien, ça va finir par nous retomber dessus. Qu'est-ce que je fais? Je reconvoque Nicolas, alors? Là, t'as plus d'autre choix. Je vais relire le dossier, je vais me remettre les détails en tête et je vais le convoquer. Okay. Concrètement, qu'est-ce que je fais avec Hélène? Eh bien, tu lui dis de venir seule. Je te rappelle que pour l'histoire des photos, je l'ai convoquée et elle est venue avec lui. Mais tu lui as pas dit de venir seule. Et c'est quand même ça, quand même. Hein. Vraiment. Essaye le vernis. Vraiment. Je sais ce que je vais faire. Je vais reconvoquer Bruno Vallès. Comme ça, il va me dire exactement ce qu'il a vu. Guéant ! Capitaine ? Est-ce que tu peux appeler Bruno Vallès et lui dire de repasser pour qu'il me précise son témoignage, s'il te plaît ? Oui, tout de suite, capitaine. Et tu peux aller aux archives et me prendre le dossier... Oui, mais attends, je pense que tu vas pas le trouver. Non, je vais y aller, moi. Mais... Pourquoi il dit que je veux pas le trouver ? Comme ça, t'inquiète. J'appelle Bruno Vallès. Ah, au fait, il te trouve canon.